Bonjour à tous, je m'appelle Marie, j'ai 24 ans et je suis étudiante à l'école vétérinaire de Toulouse. Je voulais vous partager mon expérience parce que je suis une étudiante qui sort de filière STL. J'ai passé mon bac en 2014 au lycée Val-de-Garonne et je voulais un petit peu vous parler de mon parcours. Donc j'ai voulu rentrer en école vétérinaire depuis que je suis à peu près au collège. Et quand il a fallu choisir mon bac à la fin de la seconde, j'avais plutôt le choix entre l'ancienne filière S avec de la SVT, mais aussi beaucoup de maths et de physique. Et je ne suis pas très très forte en maths. Et donc j'ai voulu me tourner vers la filière STL parce que j'avais fait l'enseignement d'exploration en biotechnologie et j'avais adoré. J'ai trouvé ça passionnant, la microbiologie, les premières notions de biochimie et de sciences du vivant. Et à mon sens, j'avais plus de chances de réussir correctement mon bac en étant en STL qu'en étant en S. Donc j'ai tenté l'aventure et donc j'ai réussi mon bac et j'ai pu rentrer en école préparatoire, donc au lycée Ozène en prépa technologie biologie à Toulouse, pour pouvoir passer 2 ans plus tard les concours d'entrée en école d'agro et d'école véto, ce qui m'a permis de rentrer à l'école vétérinaire de Toulouse. Donc aujourd'hui, je suis en dernière année. Et je vais probablement poursuivre sur une spécialisation pour être vétérinaire, mais plutôt dans le domaine du diagnostic histopathologique. Et donc, je suis ravie. Et c'est une très jolie perspective de carrière à mon sens. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que souvent on pense qu'en sortant de filière technologique, on a peu de carrières longues, enfin peu d'études longues possibles et qu'on se ferme des portes. Mais en réalité, pas du tout. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'on a de très jolies opportunités comme de tenter des entrées en grandes écoles, comme l'école vétérinaire, comme les écoles d'agro, et même des perspectives de chercheurs à la fac. Donc vraiment, moi, ça m'a passionnée. J'ai trouvé que toutes les manipulations qu'on fait sont vraiment de très bons points et sont très valorisées ensuite, aussi bien en filière prépa que filière dans l'enseignement supérieur. Et donc on acquiert de très bonnes capacités de travail et d'organisation au laboratoire. Et quand on aime la biologie, c'est vraiment passionnant de pouvoir manipuler et d'étudier la microbiologie, la biologie cellulaire, la biologie moléculaire. Donc si vous aimez la bio, foncez parce que je recommande cette filière à 200%. Et je me suis éclatée. Donc j'espère que vous rejoindrez la famille des étudiants de STL et que vous pourrez vous éclater autant que moi je me suis plu pendant ces 2 années de lycée. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et à bientôt peut-être.